Non. C'est ça. Un amalgame de l'entre-noir avait besoin d'être tiraillé pour se manifester complètement. Le FB6 mêle effectivement de choses qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Et on sait que ça finit toujours bien. Ça n'a aucun sens. Ça marche pas. Non. Ça va pas. Allez, réfléchis. Non. Allez, réfléchis. Non. Ça va pas. Essaye encore. Ça n'a aucun sens. Ah.
Ça marche pas. Non. Essaye encore. Non. Ça va pas. Ça n'a aucun sens. Allez, réfléchis. Non. Ça marche pas. Encore une breloque pour mon bracelet. Arrivé Anderson. Comment ça se passe là-bas? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous rejoins sur le parking. Thank you.
Attention, activité détectée. EAM. Événement en cours. Cauldron Lake. C'est quoi un EAM? Casey, ils font quoi exactement au FBC? Après New York, quand j'ai commencé à chercher notre ami, j'ai entendu parler d'eux. Je leur ai demandé les dossiers qu'ils avaient sur lui. Silence radio. Ils ont la réputation d'apparaître pour les trucs louches. Ils ont des gens ici. Et voilà qu'on trouve l'écrivain. Comme par hasard. Y aller. Monsieur Wake, on va vous amener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Mmh. Okay. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais, et toi? Tu vas bien? T'es la stressée? Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Et tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non! Non! Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement.
Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wade? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a aucun sens. Je ne me rappelais pas avoir rejoint. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission était-elle passée? Était-ce une rediffusion? Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement. Étrangement, la télé semblait m'attirer. J'avais besoin de toucher l'écran. Et maintenant, mesdames et messieurs... Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Alan, content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi. Allez-y, prenez place. Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman. Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais... Je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'ait été écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta, tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux-semblant. Il est tourmenté par son double sépulcral et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie.
J'imagine qu'on va continuer comme ça toutes les missions. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris ? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même ? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan ? Waouh ! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Je vais rentrer chez moi, près d'Alice. Qu'est-ce que c'était que cette interview ? C'était une blague ? Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Les Old Gods of Asgard. Ce nom était familier. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête ? Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi ? Un message ? Impossible de le savoir. Je devais sortir. Ah !
m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. J'avais écrit « Initiation ». Tu dois écrire pour fuir. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir, j'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. Je devais écrire plus. J'avais peu de souvenirs, mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce, comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau, l'écriture était mon filet. Je recommencerai tout en émission. Fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Et oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustre auteur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti! De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate, puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens, et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non,
Vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet entend la vue. J'essayais de retrouver un moteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop! Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Bonjour. Merci, vous voilà. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est ? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur.
J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus de cuisiniers, et pire sera la soupe. On s'est déjà vu. Vous aussi, vous êtes coincé ici. Vous vous rappelez, le concierge. On ne peut pas se perdre si on ne sait pas l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas. Le soleil brillera, même à travers. N'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long une fois commencé. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un outil. Vous pigez, et un homme avec peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte aux chaussures, au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. J'essaie de trouver de quitter l'entre-noir. Vous pourriez... Celui qui se plaint de ses problèmes. C'est difficile de sortir. Je pense beaucoup à ça, en lavant le sol, en regardant la flaque. L'eau est la même. En chemin. Le concierge, mais il semblait gentil. Je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut. Oui. Présentateur. Bonsoir. Un prisonnier d'un monde onirique tente d'écrire et s'enfuir. Pour une réalité autre que la sienne. Il s'en inspire pour ses histoires, espérant leur donner un pouvoir afin qu'elles se réalisent. Qui sommes cachés, savons qu'il réussira. Mais avant cela, nombre de ces histoires rejoignent la matière dont sont faits les rêves. Comme elles sont débutées, des œuvres de fiction. Pourtant, peut-être y a-t-il une once de vérité à tirer de ces récits. Dans des réalités inconnues de la nôtre, qui nous donnent des... Vieille lampe dans une voiture. C'était ça que le concierge m'avait laissé. La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus.
Je sentis un autre élan dans la lampe. Je pouvais la rallumer.
la pièce changea. Une vision onirique. Une voix s'ouvrait. L'ampoule bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Une issue. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir. Je devais trouver une autre issue. L'entre-noir veut me noyer. Je vais perdre mon âme. À me battre. Il faut que je me souvienne. Le Rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Peu plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Formant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'écris pour m'enfuir, j'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires, je ne saurais dire combien. Je dois persister. J'ai plus loin, chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La boussole, combinée. Comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un.
D'instinct, je sus que c'était pour moi. Allô ? Alan Wake. Oui. Vous savez qui je suis. Qui êtes-vous ? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation ? Alan, écoutez-moi, attendez. Station Caldera Street. Vous devez vous y rendre. Et à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. Pour ce fond. Je vous entends plus. Allô ? Allô ? Ah ! L'homme a... indiquait la station de métro, mais elle n'avait pas d'entrée. Je devais la faire apparaître. Je pouvais tester la lampe pour faire apparaître l'entrée. La lampe ne fonctionnait pas. Il allait falloir trouver une lumière. On s'est vu chez Porte. Alan Wake, l'écrivain. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... c'est... On a retrouvé... le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est ? Un manuscrit ? Manuscrit ? Il faut que je le voie. Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres. Une secte meurtrière s'inspire d'un maître monstrueux. Wake serait leur chef. Ça, jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite ? Prochaine victime.
savoir, tu sers à rien. Tu veux pas vraiment savoir. T'échapperas pas à ce qui t'attend. Il me fallait son arme et sa langue. C'était fermé depuis l'autre côté. J'avais de la lumière. Je devais retourner à l'entrée de la station de métro.